Bonjour les amis, bienvenue sur Muralis Cuisine, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes le 30 mars, donc toujours confiné, mais bon, il faut bien manger quand même, voilà. Donc je vais essayer de vous donner des recettes faciles, tout en restant chez soi avec les ingrédients qu'on a. Donc la recette que nous allons voir ensemble aujourd'hui, ça va être des sandwichs. Donc des sandwichs triangle à la viande hachée, cheddar, légumes, avec ce qu'on a bien sûr. Donc je vous explique tout ça étape par étape. Donc là les amis, j'ai pris 300 g de viande hachée, donc là c'est 3 steaks hachés, un bol de poireaux en petits morceaux, vous voyez, vraiment comme ça, rikiki, il y a le blanc et le vert, hein, les deux parties, donc le haut et le bas, voilà. Prévoir 3 à 4 cuillères à soupe d'huile, un oignon vraiment en rikiki comme ça. Alors prévoir aussi une petite cuillère à soupe de garam masala ou du cumin en poudre. Une cuillère à soupe à peu près du paprika ou du piment, du sel pour le goût, des tranches de cheddar selon le besoin, hein, voilà. Prévoir aussi des tranches de pain de mie, donc avec le contour ou sans, 2 œufs minimum bien sûr. Prévoir un peu de beurre histoire de toaster les tranches de pain, des sauces au choix et donc de l'huile, je pense que je vous l'ai dit, à peu près 3 voire 4 cuillères à soupe d'huile bien sûr. Donc là les amis, pour commencer, je bats les 2 œufs en omelette. Après si vous voulez en mettre 3, allez-y. Hein. Voilà, voilà. Même plus. Hop. Puis dans une casserole, je fais chauffer de l'huile. Voilà, comme ça. Une petite cuillère, voire un peu plus. Une fois que l'huile est chaude, donc je viens mettre mes steaks hachés ou de la viande hachée. Puis je vais vraiment hacher comme ça, avec l'arrière de la cuillère en bois. Voilà, comme ça. Tout en surveillant bien sûr les amis, hein, tout en surveillant, le but de jeu c'est d'avoir des miettes. Donc là les amis, à mi-cuisson, donc je viens mettre le sel, le garam masala, si vous n'en avez pas prenez du cumin, et aussi le paprika ou du piment bien sûr. Et hop, je mets aussi les oignons en même temps. Là, je mélange bien l'ensemble et c'est parti pour encore quelques minutes. Donc là, les amis, la viande elle est presque cuite. Donc là, je vais venir mettre les œufs un peu partout comme ça. Voilà, 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 voilà. Puis, je mélange bien l'ensemble. Puis, je laisse cuire le tout encore 2-3 minutes. En attendant les poireaux. Donc là les amis, dans un premier temps, j'essaie de faire un petit trou au milieu. Donc j'essaie de virer la viande et les œufs sur les côtés comme ça, voilà. Yep. Et là je vais venir mettre un petit chouïa d'huile. Bon, franchement un petit chouïa comme ça, le reste, voilà. Et puis là, je vais venir mettre donc les poireaux. Hop. Voilà. Dans un premier temps, je vais continuer à mélanger que le milieu pendant 2-3 minutes. Enfin, 2 minutes, je pense que c'est bon. Puis, je vais mélanger le tout. Donc, maintenant, les amis, là, je vais venir mélanger le tout, là, comme ça. Bien mélanger l'ensemble. Voilà, voilà. Là, c'est le moment aussi de goûter. Essayez de voir si vous voulez mettre un peu de... rajouter un peu de sel ou pas, ou les épices. Bien sûr, si vous voulez poivrer, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est parti pendant une petite minute de cuisson, puis on peut couper le feu. Me concernant les amis, c'est bon. Les poireaux, ça se cuit vite, hein, donc vous n'avez pas besoin d'attendre plusieurs minutes. Donc, me concernant, c'est bon. Je vais couper le feu, puis attendre que la farce se refroidisse. Donc là, les amis, il y a deux façons de faire les sandwichs. Soit des sandwichs simples, donc je prends les tranches, là j'ai pris sans les contours. Puis je vais mettre la farce au milieu avec la sauce. Sinon il y a aussi, comment dire, je prends les tranches. Et puis, comment dire, je mets la farce, puis je les mets dans un appareil pour faire des triangles toastés. Donc je vous montre les deux étapes. Donc là c'est parti, on va commencer par le sandwich normal. Donc allez c'est parti, donc là je vais juste mettre un peu de sauce. Sauce au choix bien sûr. Là, c'est du burger, sauce burger. Hop. J'essaie d'étaler la sauce un peu partout comme ça.
Hop, puis je viens chercher la farce. Voilà, hop. J'essaie d'en mettre un peu partout comme ça, voilà. Encore un petit peu, comme c'est moi qui vais taper dedans. Voilà, là je ne mets pas de fromage, je préfère mettre les tranches de fromage dans les autres, vu qu'on va les toaster. C'est bien quand ça dégouline un peu. Donc là, concernant sandwich simple, c'est bon. Donc là, je vais attaquer les sandwichs triangles qu'on va faire toaster. Donc pour commencer, donc, je vais prendre un petit chouïa de beurre, vite fait. J'essaie d'en mettre un peu partout comme ça. C'est histoire de donner le côté croustillant vers l'extérieur. Donc je retourne la tranche, voilà comme ça. Et là, je viens mettre un peu de sauce déjà pour commencer. Hein, oui. Donc là, on va mettre, pour changer un peu de ketchup, pas trop. Voilà, hop, j'essaie d'étaler ça un peu partout comme ça. Voilà les amis. Et puis là, je viens chercher de la viande hachée. Un peu partout. Voilà, comme ça. Là, je vais venir prendre une petite tranche de cheddar. Donc là, comme ça, j'ai mis la tranche comme ça. Je viens chercher donc l'autre morceau que je mets par-dessus comme ça. Hop, j'appuie légèrement. Là, je viens mettre un petit chouïa de beurre juste en haut et en bas. Donc en bas, c'est déjà fait. Donc là, j'en mets juste un petit chouïa en haut. Et là, c'est bon. Le sandwich, il est prêt à passer donc dans l'appareil. J'ai continué l'opération donc avec les autres. Pareil. Ça aussi, ça va passer dans l'appareil, donc un petit chouïa de beurre en haut, en bas. Donc, hop, voilà comme ça. Là, on va essayer de mettre un peu de sauce burger. Voilà, comme ça. J'essaie d'étaler ça un peu partout comme ça. Voilà. Hop, c'est parti. Voilà, comme ça. Là, je vais venir mettre donc la tranche de cheddar que j'ai demandé à côté là. Voilà, parce que c'est juste pour l'ouvrir. Voilà, donc c'est bon. C'est là. Donc, j'ai récupéré ma petite tranche. Hop. Voilà, par-dessus. Un petit chouïa de beurre, les amis. Hop, voilà. Et c'est bon. Je vais les passer donc. Dans l'appareil pour les toaster et faire les triangles. Donc les amis, mon appareil il est là, donc je vais venir poser ça, hop, voilà comme ça. Donc là les amis, ça y est pour la cuisson, donc je ferme l'appareil, voilà comme ça. Donc là on a deux boutons, donc il suffit juste de surveiller. Donc voilà, quand ça va être cuit, donc le bouton il va passer au vert. Donc après selon l'appareil que vous avez, voilà. Donc c'est parti. Donc là les amis, je l'ouvre. Voilà. Donc ça va, il est bien toasté, grillé. Hop, voilà, c'est bon là. Hop. Voilà. C'est bon les amis, c'est bon. C'est ce qu'on recherchait. Donc les amis, voilà le travail. Pour un goûter ou un dîner léger, franchement, c'est le top. Je crois que le chien de mon voisin, il a faim, il a vu ça. Mais bon, c'est moi qui vais taper dedans. Les amis, place à la dégustation. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, je vais commencer par les simples sans fromage. Voilà, comme ça. Après, franchement, vous avez aussi la possibilité de mettre le fromage et puis passer ça à la poêle avec un peu de beurre. Voilà. Franchement, trop bon. Je vais terminer.
Hein? Voyez, bien grillé vers l'extérieur. Bon, ça, je vais taper ça un peu plus tard. Donc, les amis, la farce, c'est réussi. C'est bien dosé, la viande bien grillée, les légumes comme il faut. C'est très bon et c'est même conseillé. Même les enfants, ils vont même pas voir qu'il y a des poireaux dedans et tout. Ils vont taper dedans en 2, 4, 6. Donc, voilà. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pardon, vers le haut, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt!